Bonjour VOD, troisième épisode, plus ou moins on va dire, de Plague Tale Requiem. J'espère qu'on m'entend, j'ai l'impression que la musique est forte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vais peut-être juste baisser un chouille. Et du coup on est parti. J'ai toujours pas continué, je vais essayer de finir avant la fin du Game Pass. Bah oui c'est ça, mais le problème c'est que tu t'es lancé dans Minecraft. Nous sommes à quel chapitre? Chapitre 3. Je vais peut-être le mettre dans le titre. J'essaierai de le changer dès qu'on changera de chapitre. Comme ça au moins les gens qui sont en train de le faire, ils savent quelle est l'avancée. Si jamais ils veulent cliquer sur le live, ils se disent ah chapitre 3 j'ai pas encore fait, ou ah j'ai fait c'est bon, je peux aller sans me spoil. Hop là. Et je vais enlever la cam. Et le cadre. J'ai fait B, je crois. Non, c'est bon. Bon, je te souhaite encore un petit peu. Resident Evil recassé, comment ça? C'est le DLC? En suivant la piste de Vaudine, l'intimiste qui doit ausculter Hugo. Je vais faire beaucoup moins d'écho à besoin. Amicia et Lucas ont découvert que la reine de la ville rouge abritait un quartier pauvre dont les habitants furent placés en quarantaine puis décimés par la morsure. Le duo y a affronté des mercenaires mais aussi des rats jaillis des profondeurs d'un millier pour semer le chaos. Lorsqu'ils rencontrèrent enfin Vaudin, il annonce à Amicia qu'elle est l'une des protectrices, titre donné à l'ordre, à sa fonction auprès du porteur de la Makula. Il est temps pour eux de retrouver Hugo. Ça nous fait pas plus mal ce petit rappel parce qu'en vrai, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Restez là, on va attendre le bourreau. J'avais passé, voilà. Alors le souci c'est que j'ai passé la cinématique sans faire exprès. Et si je fais recommencer la section, je pense que c'est voilà, c'est. Je vais tenter. Recommencer la section. Ah non, j'ai pas envie de tout recommencer. Fais chier. Il y a quelqu'un là. En tout cas, on est enfermé. Ah mais non, j'avais pas passé la cinématique, c'est pas vrai. Si, je l'avais refait. Amicia, il faut qu'on se dépêche. Bon, on va vous essayer de se rappeler. Des morceaux de viande, juste bon pour les corbeaux. Agissez comme tel. Vous avez tué de grands soldats qui tentaient de sauver notre ville. Maintenant on court, c'est ça? Je sais plus comment courir. Ah, c'est comme ça. Ok, ok. Bon, alors on est lancé dans le vif du sujet. Et Vaudin... Vaudin il a rien fait je crois. J'espère que vous entendez bien les voix parce qu'il parle très bas. Il parle en chuchotant mais il court avec des pas très forts. Tu nous as sauvé la vie là-bas. Oui, oui. Où va-t-on maintenant? Il doit bien y avoir une passerelle ou... Je ferai très attention à la prochaine fois pour les cinématiques, je suis vraiment navré. Oh. Oui non mais on est super haut. Ah non ça va, let's go. Oh le saut de l'ange. C'est sans danger. En quelque sorte. Viens. Oh wow. C'est pas du tout sans danger. Chut, calme-toi. Viens, je crois okay. Que c'est la seule façon de sortir d'ici. Tu plaisantes. J'avais arrêté parce qu'effectivement j'étais un peu mal en point. Oh pitié, pitié, pitié. Oh, allez, oh cette vue. Mais du coup je... Je suis vraiment relancée dedans. En plein milieu de l'action, ça fait bizarre. On va se réveiller. Je m'en moque. Il y a un autre toit. On y est presque. En vrai, c'est pas mieux d'être face à la tour. Genre, tu te colles à la tour et tu marches en te collant à la tour, en collant tes bras à la tour. J'ai l'impression que c'est mieux. Moi, je connais bien. Moi. J'ai vu Yamakasi quand j'avais 14 ans. Est-ce que je dis 14 ans? Je devais en avoir 6, ouais. Faut passer en silence, moi je voulais le buter. Pardon, c'est ma folie meurtrière qui s'est réveillée, excusez-moi. Ouais, depuis les faubourgs, les portes du quartier débouchées. Ah, alors c'est vous qui êtes tombé. Attendez, je vérifie, j'ai l'impression que le son est un peu bas, donc je vais remettre un tout petit peu plus fort. Sur la folle, hein? Ouais. Cette
foutue sorcière et sa fronde. Mais la bête Wizbot a eu. Oui, oui. On a trouvé assez de viande pour tenir une semaine. Wizbot qui galère de ouf. Allez au dépôt, vite. La fille va être pendue sous peu. Il va y avoir beaucoup de monde. Oh, j'y serai. Tu parles. Ce chariot, Amicia. La bête devrait y être. Et ta fronde aussi, peut-être. On ne peut pas prendre le risque. Hugo a besoin de nous. On fera ça. Oui, c'est plus sage. Je fais quoi? Je m'en vais, c'est bon? Ok. Oula. On est très visible là. Heureusement, ils ont plein de choses dans leur chemin constamment. Mais il y a un feu. Tu as toujours cette chose qui fait de la fumée. Le stupéfaction. Oui. Dis-moi quand tu es prête. Wingardium. Fais du stupéfaction là. Ça, stupéfaction. Bien sûr. Ah ouais, j'ai plus d'équipement, c'est pour ça. Punaise, mais oui, on m'a fait retirer mon équipement parce que sûrement dans la cinématique que j'ai passée. Ah, ça me dégoûte. J'espère qu'il va bien. Les jours de la ville sont comptés. Oui. Vraiment, retournons à la maison. À quoi ça sert de faire des réserves pour un siège? Je dis pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes... Ils vont vouloir quitter la ville. Mais quand ils comprennent... Tu sais où on doit aller. Non, mais continuons d'avancer. Ouais, je vais là où il y a, la, y a le bouton A qui me dit de, d'aller. Sous la table. Vite. Oh non. Oh. Je fais que ça depuis deux jours. Laisse-moi faire une pause, bon sang. Alors, la dernière fois que j'ai joué, j'ai réussi à sortir vraiment pile poil au moment où le mec était en face de moi. Elle a dit allons-y, mais c'est pas vrai. Avec tout ce qui se passe. Bon, ça, allons-y. Vraiment ? Voilà. On monte ? Ah oui, d'accord, il est passé là. J'ai l'impression de faire... Ouais, voilà. Ah merde, fallait que j'aille là-bas. Alors j'ai ça va, je... J'ai un peu embrouillé là. En fait, j'allais pile poil retourner là d'où je viens. Bien, on va y arriver, bien sûr. Et je faisais ça, voilà, normal. Il y avait rien de bizarre. Oui. La grande porte est juste là. C'est t'as vu près. Il faut qu'on descende. La vue, elle est belle. De rentrer. Mère sera furieuse. Tout est perdu par ma faute. Non mais, t'as failli mourir trois fois, là. Mère sera furieuse. Peut-être que de toute façon, elle en a un qui est un petit peu cassé, hein. Disons qu'il est un peu en train de pourrir de l'intérieur, l'autre. Donc, on se doute que... Ça va être chaud pour lui. Du coup, autant en garder une à peu près neuve de côté, quoi, d'enfant. Alors ça veut dire que la Belladone doit être ici. Et ma fronde aussi, d'accord. Tu cherches la Belladone, et moi je cherche ma fronde. Dans ce merdier là ? Oui, la Belladone. J'espère qu'elle est toujours bien emballée. Ça ressemble juste à mon armoire, en fait. Ok. Un peu à mon bureau aussi, j'avoue. Franchement, je vais pas juger. Oh, pas de fronde. Peut-être ailleurs. Pourvu que personne ne vienne, on serait... Non. Ne dis plus rien. Oui. Non. 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 Mais ça, ça pourrait quand même être utile. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux pas prendre des trucs qui sont utiles de toute façon? C'est-à-dire que là, l'épée, par exemple. Une petite épée, là. Peut-être ici. Non mais tu vois bien que non, enfin, s'il te plaît, monsieur, mon enfant, tu vois bien que c'est un tonneau avec deux albardes et puis c'est marre. Mon bureau, c'est pas ta... Mais tu sais que... Non. Des fois, j'ai des moments où je me dis, allez, c'est bon, je vide tout, je nettoie tout et tout, et après, je rangerai tout à chaque fois que j'ai fini d'utiliser. C'est quoi ça? Comme ça, ce sera bien. Bon, bah, je le fais jamais, hein. Allez, allez. Et du coup, bah, en vrai, même quand je joue, j'ai des trucs qui me gênent, genre là... Ah, des trucs qui me gênent. N'impôte quand. Ma souris qui bute sur des trucs là pendant que je joue, c'est très chiant.
Je vais te monter. Allez, c'est dit, je vais monter. Je vais tousser un peu. Ah, il y a plein de choses utiles ici. C'était... Oui, bah loot. C'est... Mais cours, dépêche-toi de douter. La belladone, Amicia. Enfin, oui, bah, super. Ça n'aura pas servi à rien. Un alchimiste a toujours. Ah, je peux pas. Plus qu'à trouver ma fronde et on peut filer. Je vais voir la porte. Là, y a un petit sac là, je sens bien. Non mais cours. Je veux pas courir. Je veux pas courir. Loot. Mais oui, non mais le gamin il me raconte sa vie là. Ça c'est à moi ça. 5 fragments. 2. C'est bon, j'ai mon équipement ? Non. Je suis des fragments de quelque chose. Tu as trouvé ta fronde ? J'ai trouvé des fragments ! Il y a trop de choses entassées ici. Après une fronde, n'est-ce pas un élastique avec une pierre, avec une, un petit truc en cuir là ? En fait, n'est-ce pas juste un truc en cuir ? Ça a l'air fermé. Peut-être avec un couteau. Peut-être avec un coup de pied ? Non, d'accord. Amicia ! Mais il y a des hallebardes partout là ! Oh, te voilà. Je l'ai. Attention avec ça, d'accord ? Je sais. Attention avec ça, arrête de buter tout le monde s'il te plaît. Je vais faire attention, ouais. Putain, ça devrait tellement marcher. Attends mec, je fais un truc. Il faut que je trouve un couteau. Bon, ça m'énerve dans une pièce où il y a des épées et des hallebardes partout de devoir trouver un petit couteau en particulier pour ouvrir un placard. On va faire. Ah, je fais un truc là, je te promets. Attends. J'ajoute une carte. Mais oui. Lucas, ils ont une carte de la Guyane. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Aucune idée. La mer est là. Le lac. La maison était par ici, je dirais. Ouais. Oh. Hé, arrête. Tu te fais du mal avec tout ça. Oui. C'est tout ? Vraiment ? C'est du passé. Vraiment pas un truc à looter et tout. Oh, les souvenirs. Non, mais commencez pas avec des souvenirs. On me saoule un peu ça dans les jeux. C'est devenu un nouveau collectible un peu facile. Les souvenirs, et franchement, bah c'est pas... Pas le truc le plus fun, quoi. Alors t'en apprends un peu sur le lore parfois, mais... Ça reste superflu, hein. Je continue à fouiller parce que je me dis si je trouve un couteau. Je peux pas courir. Hein. Non, je peux pas. Hein. Je veux vraiment pas. Je peux pas piétiner un peu parce que là, même ta manière de trotter, elle est très lente. Et c'est énervant. Vaut mieux marcher vite que trotter lentement. Comme disait. Je sais pas. Sûrement une fable de La Fontaine. Il y a sûrement une morale à ça. J'ai pas la calme, mais je... On nique l'immersion. C'est vrai. Mais je suis une petite streameuse, alors ça nique pas souvent, ça va. Merci beaucoup pour le Prime. Merci. Merci Royalou. Merci beaucoup. Et re. Tout à fait. Bon là je peux... Non mais écoutez, je pense que j'aurais pas de couteau pour ouvrir ça, ça me dégoûte un peu. Oh, j'avoue, je... Ah bah si, maintenant j'ai. Mais oui, j'avais pas mon équipement, enfin là, ça. Mais si, j'en avais pas eu. Bah j'en aurais pas eu. J'ai cassé le couteau. Mais ça valait le coup, il y a plein de choses là-dedans. Oh j'ai mais grave. L'œil. On pourrait trouver d'autres coffres. Je peux améliorer. Mais non, j'ai pas de matos. Instrument, c'est quoi ça? Outil de recyclage qui permet de grasser les genres. Les couteaux, les pierrettes et les carreaux en pièces, si Amicia n'a plus de place. Mais ça sert à quoi? En pièces, c'est-à-dire en pièces de... En matériaux, c'est ça? Je prends ça. Écoutez, je peux faire que ça. Je devrais me simplifier un peu la vie. Collection d'Hugo. Je peux mettre des points, là? Elle respire très fort, par contre. On dirait moi que j'étais malade. Une meilleure connaissance de la chimie, mais si Amicia fabrique plus vite ses amis. Oh putain. Ah, j'y arrivais. Grâce à ses meilleures connaissances de la chimie, Amicia fabrique plus vite ses munitions alchimiques.
punaise, Articulox. Consciente de son environnement, Amicia peut pousser les ennemis dans un feu. Arrête de respirer fort, enfin. Dans du feu ou des rats. C'est bien ça, non? Mince, 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 je pouvais faire un truc. Mettons-nous au travail. Capacité au monde de façon bizarre, en fait. En fait, c'est en fonction de tes actions. Ce que j'aime bien. J'aime bien ce principe, moi. Éteins les feux touchés. Essingus, inifère, allume des presses. La fabrication, mais ça je sais fabriquer. Je fais pas besoin de toi. C'est quoi ça? Oh, du loot, j'adore ça. C'est sa respiration depuis tout à l'heure. On n'est pas obligé d'entendre notre personnage respirer ici. C'est fatigant, non? Qu'est-ce qu'on pense, Hugo? C'est Hugo, ça, c'est ça? Non. C'est qui? Si, c'est Hugo. Non, c'est Lucas. Hugo, c'est le gamin. Enfin, c'est mon frère. Alors, Descartes. On va partir bientôt? Je sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Il y a un rebelle là. Ton sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on peut pas rester. Moi, je me faufile, moi. On a besoin d'un plan. J'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Jetons un coup d'œil. Je peux casser ça, moi. Tu vois ce que je vois? Quoi? Là-haut! La baliste. Écoute, j'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfactions. On peut en enduire la pointe du Jinky, barreau, va. Le décocher et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les appeler. Si ça marche. On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire? Ah, d'accord. Pardon, j'avais une autre méthode. Il doit y avoir un moyen. Oui, il y a un moyen. On va chercher plus d'hommes. On double toutes les patrouilles. Dépêchons-nous. Ils seront bientôt encore plus nombreux. Je ne sais pas. Regarde-moi cette pagaille. Ça pourrait être... Ah, je peux pas. J'ai interdiction dans une échelle, mais qu'est-ce que c'est? Oui. Ah, c'est parce que c'est plutôt joué. Ah, c'est un chariot, ça roule ça. Heureusement que tu m'as dit, parce que je pensais pas. Hein. Je t'aide, c'est ça? Attends, je vais t'aider. Bon, bah, je t'aide pas en fait. Le jeu, il veut pas. Ah non, faut que je monte. Mais. Ce chariot, faut que j'en fasse un truc, je peux pas. Le jeu, il me propose pas de pousser. Lucas! Ah non, c'est ça le chariot. D'accord, ok, pardon. Pardon, ça va. C'est bien trop calme. La pagaille en ville doit jouer en notre faveur. Oui, ils ont peur. C'est trop calme. J'ai mal compris, désolé. Attends, je pousse ça. Je pousse. Ah mais tu fais rien, Lucas. Arrête de faire semblant. La manivelle maintenant. Oui. Attends, je loot avant. Je peux pas prendre les pièces d'or. Il y a des PO. Allons-y. Super. Mais oui, mais je savais pas qu'il fallait que je reste appuyé. Utiliser quelque chose comme ça? Bien sûr que non. tu crois que j'ai quel âge, enfin, machin, là? Tu crois que j'ai eu deux vies avant? Il fout, lui. Il s'y croit, le type, là. Bon, bah, je suis dans la merde. Bah oui, mais faut que ce soit toi qui fasse. Je sais plus comment te demander. Tiens, Lucas, vas-y, fais. Tu dois le faire. Voilà, je me fatigue. Et pose pas de questions ridicules. Oui, ça marche, oui. Ouais, oui. La chaîne est coupée. Tu peux lâcher. Bien. Amenons-la à la porte. Vite. Yeah. Bon, j'ai tout loot. Moi, je tout loot toujours. On n'a qu'une seule chance. Je sais. Si on rate, Hugo sera seul. Et on mourra. Et on veut éviter ça. C'est bien. Vous avez raison de vous motiver là. Hop là. On s'arrête ici. Attends. Le stupéfaction. C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez. Mais en vrai, je pense que vous auriez pu vous faufiler. Il y avait trois gardes, quoi. C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté.
Je m'en charge. Je veux dire, j'en ai tué en alors, une scène à peu près 14. Non, tu dois tirer au travers. Le beaucoup plus en fait, je crois. Genre à peu près 1000 en fait. Trop tard pour s'en soucier. Je pense que avec ma fronde, moi je te ruine une armée hein. Bon. Ça me semble pas bien nécessaire ça en fait. Ça me semblait pas bien nécessaire, ça. Mais bon, j'apprécie le spectaculaire. Enfin, vous avez mis tant de temps. Oui, et toi, t'as rien fait. L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Oui, bah, aidez-nous, en comment fait. Va-t-il ? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Dites tout va que... bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Surtout pour vous. Putain, nous deux, on cumule 20 ans, là. Il faut faire tout. Ah, moi aussi, j'ai des problèmes de circulation sanguine, hein. Je fais pas les mêmes yeux. Ah, hein. Ah si, chapitre... Attendez, attends. Je ne veux pas passer à cinématique. Juste, je mets chapitre 4 dans le... Dans le truc. Je le mets en chiffre romain. C'est stylé, un peu. Ok, reprendre. Non, on passe pas. J'en ai marre. Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours. Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus il sème la mort! C'est pour cela que... Non, je vais pas passer la cinématique, arrête! Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Un live no spoil! Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia... Je vous montre rien du lore. Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Nous sachions ça, avant. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez, il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la macula. On c'est doit... le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire oui, ce oui, que l'ordre lui commande. Il fait un statut à chaque fois, change de titre. Là, j'ai mis chapitre 4, alors... Je ne suis pas marre de votre ordre. Je ne vous connais pas. Ah, voilà. Et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo était... Je sais pas qui t'es, bro. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Oh, elle va taper maman. Calmer. Tu l'as dit toi-même, la macula se nourrit de ses émotions. Ah... Non mais en vrai on va le sauver en allant sur l'île dans son esprit là, je sais pas quoi. Marseille et ce dès que possible. Ah si, c'est clair dans ma tête. Et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tu seras prêt. Ah bah j'imagine, oui. Lucas. T'as été essoufflé à dire qu'en fait tu pouvais rien faire. Oui, magistrat. Magistrat ? Carrément. Amicia. Viens avec moi. Mais non, mais on fait tout aussi, là. Moi, je vais envoyer des fions à tout le monde, là. Je veux m'énerver, je vais taper dans des murs. Mais je veux pas faire de l'arbin. Remarque, je taperai dans des murs en faisant de l'arbin. Du coup, ça, Darren, vas-y, tape maman. Bravo, hein. Est-ce que ça va? Non. Tu étais au courant pour Hugo? Ouais, on était tous, ma grand-mère. Mais... Tu aurais dû... On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Seigneur, je peux pas... Bah c'est un peu la maman surtout qui a dit. D'accord. Il est condamné. Même le... Même la ville paraît bien maussade. Cela dit, en vrai, hein. Tout est en train de s'écrouler sous les rats. J'aurais...
Enfin voilà, je veux dire, c'est flippant, mais apparemment, l'état d'Hugo est aussi lié à l'état de l'invasion des rats. Et c'est ça, moi, qui me ferait un peu flipper. Genre là, on sort tranquille au calme. La ville est en état d'urgence. Tout individu présent dans les rues sera arrêté. Ça y est, ils vont boucler la ville tout entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière. Mais bien sûr. Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite. Non mais pourquoi on nous envoie tout le temps nous faire des trucs chiants quand il y a des rats et quand il y a des gardes et des rats qui mangent des gardes et des gardes qui mangent des rats? Hein? Pourquoi? Genre on n'a jamais une petite aide. Un laissez passer apparemment, elle pèse dans le game un peu, non? Ouais, je sais pas. On fout, j'ai une fronde. Oh, sympa. Elle devrait avoir un compte Twitter, Amicia. Elle ferait trop des likes. Cette tour de quai au fond, elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais. Moi, je sors ma fonde. Ah, je peux c'est pas. Là qu'on va, c'est ça. C'est caché sur leur chariot. Là où il y a des bateaux. Que ce sont des corps de la reine. Alors c'est là qu'ils les amènent. Ah oui, la reine, c'est le bâtiment, c'est pas une dame. Oui, ah, faut vraiment que j'arrête. Hein. Les corps de la reine, moi, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Je la sors seconde 1. J'ai bien compris la première fois. Je m'y prendrai autrement. On te la sort seconde 2 alors. On y est. Bon. Je crois que je me transforme petit à petit en psychopathe. Enfin, en Missia quoi. Je la transforme petit à petit en psychopathe. J'ai la fronde qui me dérange. Ah oh mince! Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des petites caboches ce soir. J'espère que c'était cool. Tu voulais que je demande au magistère Vaudin à propos de l'île. La oui. Fresque dans ses appartements. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau. Exactement comme dans les rêves d'Hugo. Je sais. L'île, le réveil de la Macula, l'ordre. C'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Mais comment elle sait à quoi ressemblent exactement les rêves du coup? Tu ne l'es pas. Je suis là. Je veux dire exactement, genre elle peut que avoir entendu une description, bon peut-être qu'il est très précis après, mais ça m'étonne. Je suis désolée, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Pas mal infernal. Très bien. Mais c'est sur TikTok. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. D'accord. Pas tuer, ne pas se faire repérer. Trouvons ce bateau. C'est inquiétant de devoir le dire quand même, en vrai. Hein. Ok les guys, aujourd'hui on va chercher de la belle Adane pour mon toxicante frère. Hashtag Larbin, hashtag JPP. Hashtag fuck la vie, quoi. Alors, où est notre bateau? Voile rouge et blanche. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. On va apprendre à reconnaître les différents types de peste selon les symptômes. Et c'est parti, suivez-moi. Bon. Il a dit faut pas tuer. Mais pourquoi Pourquoi lui je fais ce que je veux en fait, t'es pas mon frère mec. La ville n'a plus le temps. Oh putain, sors ma fronde, je peux pas. Alors calmez-vous. Même le jeu me dit non. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il s'aggrave encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Ah ça c'est vrai. Avec la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui, et vous subirez bientôt le même sort vous aussi. Et oui, mais bon, en vrai, là, vu le peu de luminosité, les rats, ils sont déjà sortis un peu, non? Non, ça va arriver d'un coup, ça va être crasse. Je vais fouiller un peu, genre là-bas. Regarde ce mur. Oui, ils l'ont érigé à la va-vite. Et
regarde ce coffre. Qui nous empêche de rejoindre le bateau. Approchons-nous. Bonne chance, soldat. J'ai du souffrant. Chaque fois que Lucas m'a dit faut pas tuer, ça finit en boucherie. Je vois qu'on a la même, même manière de jouer. Bon. Est-ce qu'on a eu beaucoup de héros féminins dans les jeux vidéo ? C'était quelque chose d'assez peu commun il y a, je dirais, il y a une quinzaine d'années et qui maintenant c'est pas mal développé. C'est toujours déséquilibré, mais ça c'est franchement, je dirais, depuis je sais pas, 6-7 ans, ça se voit de plus en plus, quoi. Oui, bon, à part Lara Croft, hein, c'est bon, désolé, mais... Casqué. Il va falloir se faufiler. Ok, il y avait elle, mais à un moment, il y avait qu'elle, en fait. Sera bien assez tôt. Tu crois qu'ils vont y arriver, cette fois ? Je crois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres affluent de la ville, et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais. Prie. On m'a plus... Non mais arrête ! Bon, attendez, j'analyse. Non, mais voilà, ça se développe. Après, effectivement, ce qui est surtout intéressant, en plus, enfin, on va dire parallèle à ça, c'est aussi la manière, effectivement, dont elles sont représentées dans les jeux vidéo, parce que bon... Ah ! Non, je suis cachée ! Je crois qu'il y a quelqu'un. On est une époque, à part le côté sexe symbole, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Faut que je vous cache ! Non ! Je déconne ! Attends ! Pose ! Pousse ! Oui, je pensais aussi à Metroid, mais en vrai, bon. On va dire que... Moi, je sais que c'est une fille parce qu'on me l'a dit, mais en soi, bon, c'est surtout une armure, en fait, hein, Samus. Des soldats. Casqués. Il va falloir se faufiler. Koudelka. J'ai tasqué, c'était une femme aussi. Mais non, mais ça, on va en trouver, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est que si on cherche dans les vieux jeux, faut quand même. Hormis quelques classiques, faut souvent aller chercher un peu loin, quoi. J'aurais dû aller voir ma mère. Mais ça se développe, et ça, c'est bien. Et puis, bah, les héroïnes sont un peu plus complexes qu'avant aussi, ce qui est intéressant. Final Fantasy, après j'ai pas assez de ref. L'héroïne était utilisée pour des publicités, pour des produits féminins, il me semble. Bah après, ils ont aussi une manière d'utiliser les personnages animés, enfin issus de la pop culture dans vachement de contextes. Ce qui va être beaucoup moins notre cas, ou ce qui va être beaucoup plus cringe chez nous, je trouve. Bon, attends. Quelqu'un qui est dodo là. Non, je vois rien. Ok, c'est retourné. Let's go. Je loot. Maintenant, il va falloir que je fasse du... En vrai, je sais pas trop par où passer. Je peux monter là ? J'ai pas senti mon sbire encore, hein. C'est pour faire de la fumée. Ah oui, d'accord, je peux faire de la fumée. Par contre, je vois pas exactement où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est en face, c'est ça ? Ils ont... C'est là-bas. Ok. Ok. Et ça, c'est quoi, là ? Mais ça a dû faire full bruit. Oh non, Seigneur, ça ressemble à un champ de bataille. Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas.
Quand les persos sont bien développés, je trouve que c'est cool les persos féminins. C'est pas vrai. Oui. On va dire qu'un perso bien développé, c'est toujours cool. Et après, c'est bien après d'effectivement de représenter un peu les deux sexes, quoi. On va dire que. En tant que nana, effectivement, je vois pas trop de raison d'être contre ça, quoi. Je trouverais ça même très bizarre. Les rats! J'avais dit qu'ils arriveraient de manière trop stylée. Ça y est, je suis dans la lumière, moi j'en fous. Non, mais en vrai, là, ils en auront un carré de la lumière. Ils sont tellement nombreux. Ils se font ombre les uns sur les autres. C'est impossible. Il y en a tellement. Les deux gardes du bas, je les ai bien défoncés avant de trouver le passage d'en haut, c'est vrai? Bon. Celui qui est au sol, c'était dans leur jarre. Ça sent la poix. Si c'est ça, c'est hautement inflammable. Essaie d'y mettre le feu. Oui. Attends, attends, je me rappelle comment. Attends, c'est chaud là. Attends, faut que je fabrique. Le poids peut être enflammé en lançant un univers dessus. Les flammes brûlent tout ce qu'elles touchent. Ok, je tente comme ça. Oh finesse! Oh mon pauvre dieu, mais je vais cramer! Attention avec ces flammes! Oh! C'est trop impressionnant! Ils ont pas raté. C'est pas faux. Ouais. On peut pas passer par l'eau là. Quoique non, les rats, ça c'est bien nager. De quoi il t'a dit quoi? J'écoutais pas, je parlais en même temps. T'as dit quoi, bro? Ah. Ah oui, c'est un chariot. Let's go to the chariot. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements. Tu parles. Des gens comme Vaudin. Des gens comme Vaudin. Tu crois que ça va se finir comment? Ils vont faire. Si on reste ici, on meurt de toute façon. N'importe quoi. Je comprends pas en vrai pourquoi ils ne font rien, Vaudin et tout, quoi. Genre on dirait qu'ils sont comme s'ils sous-estimaient de fou le problème, alors qu'en vrai ils risquent de mourir aussi à cause des rats. Ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Un petit peu d'humour dans ce monde. Ça ne fait pas de mal. Le bateau de Joseph. Un rassemblement. Oh, on voit là d'autres. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Oui. Bon, faut que je casse ça alors. Attends, je sais plus comment on fait les touches. J'ai oublié le raccourci. Alors faut que je fasse ça et ensuite faut que je fasse ça. Attends. Ça. 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 Ah, j'en ai plus. Pourquoi parler? Ils disent Marseille, tu parles de plus belle la vie, plus. Non, de la poire. Ça va mettre la musique en tête. Je n'entends pas de rats ici. Non. Ouais, c'est vrai. Mais ils étaient là. On va parler de la lumière. Seigneur, c'est quoi tout ça? Une grosse serrure. Ils doivent l'utiliser pour étancher les cordes des bateaux. Ça va, je sais pas loin. Les mécanismes sont encore intacts. C'est tout maculé au sol, regardez. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Tu connais trop de trucs, toi, pour un enfant. Il nous poursuit. Non, il nous poursuit. Le plat-elle la vie. Non mais... On a la résine. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poix. Un bassin de poix. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Tout à fait, j'ai compris. Hein. Oula, j'ai vu un dessin animé pour savoir que ça c'est radioactif ou que c'est du poison. C'est fermé de
Ah, pour craft, quand tu vis, c'est que t'as plus de munitions. Punaise, heureusement que tu l'as. Ah, je peux passer là. Je passe 15 fois, stop. Ah, c'est qu'il y a ça en fait. Bien joué. Voilà, oui. Fabrique de la poix. Je sais. Mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. Merde. Puis tout empoisonné des pieds. Bon, est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Je sais pas. Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. Je me charge de fouiller dans les coffres. Fouille aussi, t'as un peu loot là. Doute pas, lui. Doute pas. Oui. Tourne-la à fond. Je m'en occupe. Bien. Tiens bon jusqu'à mon signal. Mais vas-y donc, en parlant là, plutôt que de... Je suis prêt. Voilà. Bon, bah j'arrête. Accroche-toi. Reviens au bassin. J'arrive. Ah, attends, je regardais partir. Oui, c'est rigolo. Le diluant. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt? Oui. Fabriquons ça de quoi? On verse. Tu connais les quantités? Non. J'improvise. S'il te plaît. J'aime bien quand tu improvises, ça me fait plaisir. Bien. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Voyons si cette poix est efficace. Un des bâtons. Je veux... Je peux utiliser mes trucs. T'as pas un petit bâton? J'aime acheter des bâtons. Attends, je regarde si c'est des bâtons. Hein, hein, y a pas des bâtons, je suis dégoûtée. Si tu reprends un bâton, genre enflammé là et floup, jeté là-bas. C'est parti! Ça marche! Oui. Attends, j'avance. Ok, mais il se passe quoi après? Bon, première étape franchie. Oui. Oui, mais je suis coincée. Bah oui. Attends, je crois qu'il faisait des expériences avec les ingrédients. Faut que je me colle au feu pour qu'il me touche pas là. Ça peut marcher. Je te les envoie. Ces bêtes sont tout prêts. Moi, oh, c'est chiant. Préviens-moi quand tu es prête à attraper. Où ça? T'es où? T'es où, bro? Je vois pas. On y est. Mais je peux pas en fait là mec. Tu vois bien que je suis extrêmement loin. Vas-y. Super. Mais t'es parfait. T'as vu, j'ai la classe. Fabriquer de la poix. Attends. J'ai pas trop compris. Et je mets ça là, c'est ça? Lance un pot de poids entre ces deux bassins. Je lance un pot de poids. Pourvu que ça marche. Voyons si cette poids est efficace. Parfait. Oui. Ce dernier bassin est déjà rempli de poids. Ah, mais là-haut, le loot. Il y a un gros loot là-haut, Lucas. Faut looter hein. Moi je tout loote toujours hein. Ah ouais, ça marche trop bien. Ah non, non, j'ai mis trop de temps, je savais pas que... Mais c'est un super vite, mais c'est n'importe quoi. Oh mais ça dégoûte là. Attendez, est-ce que je peux attraper comme ça? Nickel. Tu as de la résine et de l'alcool. Mélange-les. C'est fait. Parfait. Maintenant, lance un pot de poids entre ces deux bassins. Ah, j'ai gâché de la poix, Lucas. J'ai gâché de la poix, c'est toi qui... J'ai gâché de la poix, Lucas. Pourvu que ça marche. Voyons si cette poix est efficace. Oh, j'ai gâché de la poix. Ça dégoûte. Voilà. Ça là je peux avancer. Là faut que je me dépêche je pense. Ça a l'air de s'éteindre un petit peu. Voilà. Tu m'as sauvé la mise. La poix t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, merci.
Il ne fait pas le poids. Alors attends, faut que je monte moi par contre. Parce que là-haut j'ai vu du loot. Hein. Ok, bon appât petit Mokabinda. Moi, nous on a mangé raclette. Fromage, t'es pas incroyable. Pas le pire qu'on ait mangé, mais bon, vraiment, pas le meilleur. Hein. Wouah! J'ai trop bien fait de passer là. Mika, tu as une résine, tu as de la résine et de l'alcool. Amicia, non, t'es pas d'accord, non. Il y en a pas. Tu m'en as pas donné en fait. C'est pas, je peux pas. Hein. Voilà. Tu m'en as pas donné. Mais t'es un mec super. Ah, j'ai mangé ce qu'il y avait dans mon assiette. Bah c'est bien. Mais bon, pour beaucoup de gens, pour qu'il y ait un truc dans son assiette, faut préparer quoi. Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et je quoi? N'ai aucune excuse. J'ai eu tort. Je suis là en fait. Je suis là, regarde-moi. Attends, je vais me mettre là. Je peux pas le perdre. Je peux pas. C'est bon. On fera ce qu'il faut. Oui. Bon, c'était un peu nul comme conversation émouvante, mais on s'attrapera, Lucas. On s'attrapera. On a des panoramas assez balèzes hein, en guise de mise en scène. Là. C'est... Allez, en termes, plutôt pas en guise. En termes de mise en scène. Si tu veux préparer, c'est comme ça qu'il a fini dans mon assiette puis dans mon estomac. En passant par l'intermédiaire de la bouche, quoi. Truc classique. Dans l'épisode de South Park, il mange par le cul. Voilà. Bon, je décrirai pas plus. Au loin, le bateau de Joseph. On se imaginez bien oui. Le reste de la digestion. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Il fabriquait encore de la pardon, poix. Pardon, oui, non. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poix. Quelle journée. C'est compliqué à expliquer. Tu me comprends, mais tout à alors, fait, mais je comprends à quoi tout. Tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. Ici où? Ça le déplace pas beaucoup, hein. Hey, vous êtes quoi qui, vous? Personne. On fait que passer. Impossible. Je suis coincé ici depuis un bail avec. Ico ici. Faut que je sorte d'ici. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Je vais m'en sortir. Voilà. Plus de pont. Plus de, enfin, plus de problème. Je m'attendais pas à ça. Un instant. Il a l'air raisonnable. L'air perdu. Alors ça joue pour nous. Voici ton diluant. Mais je vais le tuer quand même. Il n'a pas l'air au courant de notre évasion. Oui, bon, hein. On n'a pas encore fait le rapprochement. En même temps, là, les messages doivent passer un peu de manière compliquée. Mais c'est marrant, il a pas demandé qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Alors, je fais ça. Et on recommence. Vous aimez pas le feu, hein? Non. Mais malin, toi. Vous allez allumer ça comment? On a nos méthodes. Je vois aucune torche ici. Attendez un peu. Bah, toi, t'en as une près de toi, mec, enfin. Non, oh, dommage. Non, c'est un dommage. Exactement. Les soldats. Bien. Je trouve je coucou. Reste encore deux bassins. Coucou et piétièse. Amicia, tu devrais aller sur la passerelle pour t'occuper du diluant. Oui. Je vais essayer, je te promets. Je te dis quand j'ai besoin de toi. Mais du coup, je dois utiliser mes produits là.
Mais je bois, hein. Je bois. Je crois que c'est... C'est ça qui était prévu là, vraiment ? Je crois qu'en fait j'aurais dû aller dans la sur la passerelle. Mais je sais pas comment. Nuka, faut que je passe par où ? Attendez. Nuka ! J'ai quoi hésité ? Oh là, je me crame. Yo Morfufu. Non mais c'est bon, je me suis à peine chauffé un peu les poils de bras, ça. J'ai plus de peau. Oh, je suis dans la chica sauce. Oh, vas-y le rat. Vas-y, mange-moi. Non. Là, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas quoi, mais... Le resto il se prend la tête à faire de belles assiettes, 24 heures après ça sort pareil. C'est comme dire ouais bah je vais pas faire là. Je vais pas nettoyer chez moi, de toute façon après ça sera resale, tu vois, c'est... Nous sommes des animaux très visuels, hein. Et le visuel joue beaucoup dans la manière dont on va déguster un plat. On se rapproche. Oui, allons-y. Oh, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un garantie que si vous buvez un jus de fraise bleu, bah vous aurez l'impression que ce sera autre chose qu'un jus de fraise. Pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Donc, quelque chose de bien présenté. Quelle journée. Ça influencera notre manière dont on le goûtera. Voilà. Peu importe notre manière de faire caca, ça n'a pas de vrai rapport en fait. Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Faut que je fasse tout. Il faut amener Stono ici. Bon, comment je monte sur la passerelle, moi? Monsieur? Oh putain! J'ai gâché mon pot. J'ai pas fait exprès, je pensais que j'avais la fronde. Oh merde. Bon bah. Hé, vous êtes qui vous? C'est vous qui avez baissé ce pont? On est les gentils. On ne fait que passer. Passer? Mais comment? Je suis bloqué ici depuis 10 heures. Mais comment? Faut que je sorte d'ici. On a un plan. Vous pouvez nous envoyer cette passerelle? Oui, juste un moment. Il a l'air raisonnable. Il a peur. Alors ça joue pour nous. J'ai tout foiré. Même si hyper actif. Oui, bah c'est déjà fait la scène, hein, t'as pas. Attends. T'écoutais pas. Désolé, bro. J'avoue, j'ai pas écouté, hein. Vas-y. Parfait. Allez. À toi de jouer. Bien. Alors, vous allez où comme ça?
Mon Dieu. Vous êtes au courant qu'on est en plein milieu d'un confinement ? Oui, et les gens meurent quand même. Alors on tente notre chance. Putain, il va nous mettre une amende. Je vois. Une attestation ! Oui, c'est vrai ça, hein. Viens, tu peux lâcher. D'accord. Ah, viens. Ouais. Tout est en place. Let's go. T'es un petit peu impatient, toi. Et voilà. Il y a encore un bateau qui bloque le passage. Oh. Attends. Des petits loots là. Non, parce que j'ai des soucis. Il y a du loot aussi en bas là. Bon. C'est moi qui dois ouvrir. C'est moi. Ça va, j'ai compris. Attends, je n'ai plus. Voilà, j'ai. Je me mets en position. Moi, j'ai tout loot, moi. Ils vont manger. Oui, ok. Il fait comment l'autre petit ? J'ai pas. Non, la lumière n'éclaire pas assez loin. Il y a forcément un moyen. Ah bah tiens. Jeter de la poix directement dans le feu. Ça va amplifier les flammes pour un temps. Oui, tu sais, lui. Eh bien, oui, ça peut marcher. Viens, ah bon. T'entends le coup. C'est à chier. Ah, c'est à chier comme idée, hein. Mais ça marche pas. Ah non, c'est ça la poix. Eh, j'ai trompé. Désolé, j'ai trompé. Ouais, ça va, j'ai trompé. Maintenant, la poix ne brûlera pas longtemps. Ça a marché à merveille. Merci. Allez, mène-toi. On connaît ça, la poix, d'accord ? On a vu les jarres. Elles vous servent à quoi ? C'est confidentiel. Très bien. Tu y es presque. Ouais, j'aurais pas dû, là j'ai gâché plein de poids là. Putain. Vous y êtes arrivé. J'ai plus qu'une poids, qu'un poids, que enfin, je... bref. Tu peux refaire ton truc ? Je suis bloqué ici. Attends. Je vais essayer. Allez. J'ai refait mon truc. On va voir de plus près. Restons prudents. On ne sait pas ce qu'il aurait fait si on l'avait croisé en vie. Suivre les ordres. Oui, quel qu'il soit. Wouh ! Eh ben, bon travail ! On l'a fait ! Une chance que vous ayez décidé d'enfreindre la loi ce soir ! On devrait y aller, non ? Oui, on est pressé.
Il va partir. Je vais vous escorter jusque chez vous. En fait, nous devons continuer par là. Impossible. Vous devez rentrer chez vous. Vous plaisantez? Laissez-nous partir. On a fait notre part. La loi, c'est la loi. Laissez-nous passer. Ou vous allez le regretter. Tu menaces un soldat de l'armée de Pro. Oh, flemme. Bien, le bateau est juste ici. Oui. Thanks, bro. Oh non! J'y suis dans la lumière! J'avoue, j'étais un petit peu. Ah! Voilà. Attendez, je bois un coup. De toute façon, j'entendais bien qu'il n'allait pas nous aider jusqu'au bout. Ça, j'avais tout de suite compris, moi. On va enfin le voir de plus près. Restons prudents. On ne sait pas ce qu'il aurait fait si on l'avait croisé en ville. Oui, quel qu'il soit. Quoi qu'il en coucoute. On l'a fait. Une chance que vous ayez décidé d'emprunter la loi ce soir. On devrait y aller, non? Oui, on est pressé. Bien, je vais vous escorter jusque chez vous. En fait, nous devons continuer par là. Impossible. Vous devez rentrer chez vous. Vous plaisantez? Laissez-nous partir. On a fait notre part. Ici, aucune chance. Oui. Ils ont fait assez de mal comme ça. Bien, le bateau est juste ici. Oui. Voilà. Ah, du loot! J'ai tout loot, moi. Oh, j'ai ramassé un petit pot. Oh, Seigneur. Plus jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Je les ai touchés des fois, c'est un poil de cul. Ouais, franchement, ça a pas grand chose, hein. Parfois, je. Ah, c'est la gouille. Alors. Mettons-nous au travail. Oh, j'ai pas de matos, j'ai pas de matériaux. Ah, j'en ai pour ça. Une nouvelle poche à son équipement, Amicia peut porter des missions alchimiques supplémentaires. Une jarre. Les jarres, on n'a pas beaucoup. Peut-être prendre la jarre. Let's go. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Tiens-moi l'attention, ça peut être bien. Je peux mettre? Non, je peux pas mettre. Opportuniste. Hmm. Ok. Ouais, c'est en fait les compétences se débloquent d'elles-mêmes. Voyons un peu ce bateau. En fonction de notre gameplay. C'est une affaire de santé publique. Oh, on entend bien sa voix. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Ouais, mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, ah ouais. Oh, tiens. Non. Oh, Jojo. Jojo, Joseph, il a frappé. Attendez. Jojo, il a frappé. Nous venons de la part de Magister Vaudin. Nous devons quitter la ville. Vous croyez que je fais quoi, là? Cet endroit est foutu. Pitié. On est coincé ici. Et nous avons un enfant avec nous. Bah, vous êtes des enfants vous-même, en fait. D'accord. On se retrouve au prochain ponton. Qui êtes-vous? Où est le capitaine? Merde. Des intrus. Oh, allez. Il veut vraiment nous aider, lui. C'est pas assez près. Oui. Oh, c'était quoi ça? On ça défonce. C'est une jarre de bois. Ça a réagi au contact de la torche. C'est le moyen le plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux. On va se faire tuer ou manquer ce bateau. Il faut que j'utilise de nouveau ma voix. Ah, attends. Non, pas vrai. Je me cache plus dans la terre, maintenant je me cache dans les maisons.
J'aime bien, c'est intense. C'est donc pour ça qu'ils en avaient besoin. Quelqu'un a peur du noir, on dirait. Ce feu, ce n'est pas du bois qui brûle. Non. C'est des cadavres. Ça doit se sentir quand même de loin. Hein. A plus de poids, et les cadavres affluent. Au moins, ça veut dire que les nettoyeurs font leur travail. Tu parles d'un nettoyage. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est pour ça qu'ils sont... non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup, Thierry. Bougez-vous, on a des intrus. Non, je suis... Ah! Merci beaucoup, bienvenue à toi. Non, il tient... Ah, bon là, j'avoue, j'ai pas prévu. Ouais, non, là j'avoue, j'ai couru. Je pensais que l'autre il allait plus nous aider. En fait, il nous aide pas. Ah! Merci beaucoup! Je veux pas me spoiler. Oui, ça marche, merci beaucoup! Un petit coucou quand même. Non, c'est pas là, c'est là. Je préfère là. Merci beaucoup, merci pour le raid et bienvenue à vous, c'est adorable! J'espère que la petite session. La petite session des petites caboches était sympa. Petite émission. Merci vraiment, Dieu, pour ce 13e mois d'abo. Je cache ma cam quand on joue à ce jeu pour l'immersion. Mais je suis bien là. C'est bien moi qui tiens la manette, comme vous avez pu le constater à ce gameplay. Non, te lève pas. Attends. Non, mais attends. Non. Que se passe-t-il ? Mais je sais pas, le jeu il me dit de faire ça, je fais ça. C'est moi ou ça a bougé par là ? Ou pas. Je vais vérifier. Alerte ! Mais merde ! Mais pourtant je suis tellement putain de discrète. Des intrus ! Alerte ! Y'a R. La maison ! C'est pas en nous ! Ils sont par ici. Je m'en occupe. Je fais n'importe quoi. J'en suis consciente. Tous ces comme je sais où vous êtes là-bas. Vite, ils nous ont détecté. Non, bon, ok. Je vais devoir faire de la vraie infiltration, mais je pensais qu'il fallait qu'on se dépêche en fait. Parce que l'autre il me dit genre dépêchez-vous et il envoyait de la sarbacane, des flèches empoisonnées à tout le monde. Du coup, je pensais que on allait devoir courir. Mais c'est pas le cas. Pourquoi de la fumée si elle est si mal placée ? Quelque chose a bougé ? Oh non ! Qu'est-ce qui bouge là ? Faut aller voir. Oh ! Et du loot ! Pas ici. Je peux pas passer par l'eau ? Ah là ! C'est pour ça qu'ils sont condamnés à la vie. Des intrus ! J'ai détourné ! Mais attends, c'est pas par là ? Bon, attendez. Je veux pas gâcher mes trucs et tout. Oui, merci de m'aider, toi, en fait, hein. Salut, Hanté, j'espère que ça va. Ça s'est bien passé. En fait, le truc de fumée, ça ne m'aide pas du tout, j'ai l'impression. Je pense que je peux passer sans le faire. Du coup, je me fais pas repérer. Étrange. Voilà. Simplement en fait. Ils te mettent ça mais c'est pas fou. Là je passe ici. Voilà, c'est mieux. Là ils ok. Ensuite je passe à droite. En plus il y a du loot. Par contre après il va falloir que... Ah mais non mais c'est des bâtons. Vas-y je prends. Ah, lui, faut que je le... Attendez. Ah, choupi, il touche. Eh, tous ces corps. Il n'y a plus personne pour garder leur maison, pas vrai? Ouais. Je vois où tu dors. Oh, c'est quoi?
quoi ça? Hein? Que... Venez par ici! Attends, c'est ça, j'ai. Attends! Mais non, je fais n'importe quoi! Je me trompe de touche, c'est insupportable! Arrête! C'est méchant! Putain, je me trompe de touche constamment, ça rend dingue! J'ai vraiment un bel jeu à la manette après, c'est peut-être pour ça, mais. À chaque fois que je changeais de munition, je me lève, je cours à moitié, je sais pas, je me fais repérer de fou. Alors. Ça. Voilà, c'est ça que je veux faire à la base. Parce que j'ai mis 5 minutes à trouver les bonnes touches. Du coup, c'était pas dingue. Oh, je pourrais pas passer ? Oh, je veux faire périr de partout ! Je peux pas passer ici, je suis obligée de rajouter un truc. Il me faut ma torche. Il me faut une torche. J'y vais vite fait. Il y a du loot là-haut, mais tant pis. Hein. On verra plus tard. Comment ça, je me fais repérer là-bas? Vraiment? Oh non, l'archer, fait chier! Non mais lâche ça! Ok. Je me suis trompée! Allez, vas-y, cours! Je suis dans la sauce. Ah bah enfin! Je suis heureux de te revoir. Oui, c'est bien le moment, oui. Et lui là. Merde, j'en ai fait trop! Non, c'est ça que je veux faire! Je fais vraiment ce que je peux. Je vous promets, j'essaye de bien jouer. Oh non. Je peux plus allumer de feu. Je suis dans la giga sauce. Ok, c'est bon, j'ai. Easy. Quel enfer. Une fois qu'on aura vu Joseph, on retourne à la maison au plus vite. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Allez, j'ai des stats un peu. Tu peux? Je peux rien faire. Si seulement le comte avait été là, il aurait pris les bonnes décisions. Il est là. Lui demander une audience. Je veux te voir, mec, ça fait 30 minutes que je suis à côté de toi. Oui. Ah ouais, pardon, c'est toi. Attends, avant je regarde s'il faut que je loot. Merci de nous avoir attendus. Non mais je voulais voir s'il y avait des trucs à looter. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bah, où est le reste du groupe? En ville, il prépare le voyage. Je dois... Hugo, qu'est-ce qu'ils ont Comment fait ça, Hugo? Je vais les chercher. Retrouvez-nous, ok? Près de la maison. Sois prudente.
C'est la meuf, faut qu'elle arrête de surinterpréter. Elle voit de l'orage. Hugo ! Elle va avoir un chat qui passe dans la rue. Oh, Hugo ! Hé, calme-toi, fille. Les gars, ils sont complètement cons. Tu te planques devant eux, ils te sont plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on est en mode normal, hein. On est en mode difficile, on les aime pas comme ça, je pense. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous ! Que se passe-t-il ? On doit savoir. Moi, je mets des films d'horreur avec des clowns, j'adore les clowns. À part ça, j'en connais pas de mine, hein. Bah c'est surtout que t'aimes la vision d'horreur des clowns, t'aimes leur côté creepy en fait. Oh ça c'est classe, ça j'aime bien ce genre de scène. C'est marrant qu'il fasse fuir en mettant une caméra inversée quoi. Une caméra du coup qui regarde l'action derrière. Y'a du loot, y'a du loot. Non bon, c'est pas le moment. Joli, mais la lune n'est pas super... pas ouf, je trouve. Wouah. Non mais les rats qui font s'écrouler le château, quoi. Mais comment je survis à ça? Comment? How? Coucou. Mais il est où le gamin? Il était sur le bateau? J'ai plus le temps de voir. Ah ouais, non mais là les rats au bout d'un moment ils sont en mitril pour pouvoir faire ça quoi. Madame, elle est plus là. La caméra t'induit là où il faut aller. Elle tourne un petit peu en fonction de là où tu dois aller, du coup ça fait tourner ton perso. C'est bien foutu, franchement c'est assez bien foutu. Et puis c'est pas sans rappeler certaines scènes de Tomb Raider des récents. Oh putain! Oui, ça c'est complètement du Tomb Raider là. Avec tout qui se détruit et tout. C'est vraiment totalement ça. Miss pas de chance. Ah légèrement, hein, j'ai envie de dire que là pour le coup elle passe quand même une sale journée. C'est votre fils, faites quelque chose. Non, la protectrice, elle était trop. Il ne se calme pas, je ne sais plus quoi faire. J'y vais. Hugo, c'est moi. Hugo, tu vas tous nous crever. Ah, j'ai failli passer. Oh le vaudin là. Sa gueule. Qu'il n'y a plus d'habitants. Bah ils sont morts en fait. Parce qu'elle là vraiment on dirait pas. J'ai fait un cauchemar. Oui bah tes cauchemars ils butent le monde. Qu'est-ce tu veux pas un peu prendre un Prozac là? Comment c'est... Il faut partir. C'est ça, que toute la maison c'est une marque de calmant ça je crois. Sur le quai. Venez. Amicia, je devrais le porter. Je m'en charge. Un cauchemar, j'ai vu la fin du monde. Elle est où la ville? C'est pas un cauchemar. Toute oh punaise, il a niqué la Provence. T'as buté la Provence, mec. Alors que tu fasses un peu moins de cauchemar, hein. Faut arrêter les jeux vidéo le soir. Hein. Provence. J'ai la tête. Ça vaut plus que mon copain. Hein. Rien. Rendors-toi. Ah ouais, elle, tu pas la Provence, hein. Un peu trop tard là. Regardez, punaise. Ça dégoûte.
Tous ces gens... C'est trop tard. Continuez. Qui sait? Essaye de dormir, Hugo. Qui sait? Non. C'est lui qui fait tout ça. Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais des vers de toi, mais grave. En vrai. Bon, je sais pas. Mais quand tu vois ça, et que tu dis que c'est un gamin qui le provoque... On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. Au bout d'un moment, le gamin... C'est ma faute. Ah, c'est terrible, mais faut l'achever, je veux dire, il fait... Non. Il bute la Provence. Non. Ce n'est qu'un rêve, d'accord? C'est lui la voix... Ouais, c'est lui qu'on entend parler dans le... Dans le coup de sa sœur. Je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. Mais non. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Parce qu'il y a des fortes chances pour que... S'il te plaît, calme-toi. Mais voilà. Tu as le droit. Une fois mort, il n'y a plus ça, en fait. Mais je ne t'abandonnerai pas. Ou alors ce sera pire. On trouvera un moyen. Mais bon, j'y crois moins, hein. Moment Fiona. Vous allez bien? Je sais plus comment elle s'appelle, mais double aussi Cameron Diaz. Montez à bord, vite! Bah, de toute façon, le doublage en VO de Fiona dans Shrek, c'est Cameron Diaz, donc on est dans la logique. Il n'y a que nous. Magister mais Baudin, moi aussi, pour moi, cette voix, c'est Fiona à fond, ouais. Mais s'il peut détruire Paris, on lui en voudra pas. Moi, je te garantis que le pays sans Paris, c'est plus le même. Hein. Je veux dire, économiquement... plus grand chose qui tient debout. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est complètement un centre de tout, en fait. On a détruit la Provence. Go s'occuper de Marseille, ouais, c'est ça. Anti-OM. Je coupe la VOD là. Bisous VOD.